Voilà. Beaucoup ici, là, on a cherché à vous bloquer depuis votre enfance. On a cherché à vous bloquer. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que on ne peut pas vous faire de mal. Avant qu'on te mette à terre, tu calais au sol longtemps. Quand on te mettait à terre, tu restais au sol longtemps. Tu pleurais, tu t'apitoyais sur ton sort. Je suis là maintenant pour t'annoncer que le temps là est fini. Tu comprends, non? Il y a un truc dans ton esprit maintenant qui a fait que tu ne peux plus rester à terre. Tu ne peux plus rester à terre. Je viens annuler tout verdict qu'on a prononcé sur vous. Toute personne à tout endroit de la terre qui allait comporter contre vous, qui allait faire des incantations contre vous, je déclare que vous êtes sortis du trou au nom de Jésus. Je vous libère. Ah ouais, tiens, c'est là, il y a la liberté derrière moi. Je vous libère des malédictions. Je vous libère. Je déclare que avant là, si tu tombais, tu ne te relevais pas. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves seul. Quand Jésus a ressuscité Lazare, Jésus n'a pas demandé qu'on porte Lazare pour le faire sortir de sa tombe. Il a seulement dit que enlevez la pierre. C'est sa parole qui a soulevé Lazare de sa tombe. Je déclare aujourd'hui que toute tombe dans laquelle tu es, jusqu'à depuis là, tu ne sais pas comment, tu bouges comme ça là, tu es toujours momifié. Tu bouges comme ça, tu es momifié. Je te commande de sortir de ta tombe au nom de Jésus. Je détache tes pieds, je détache tes mains. Je te enlève ton corps de cette tombe, de ce cercueil. Il y en a parmi vous, on vous a enterré. Ils ont fait carrément des rituels, ils sont allés partir. Ils sont partis enterrer les choses dans votre concession. Quelqu'un vient dire qu'il veut dormir chez toi. La nuit, quand tu es distrait, il part, il enterre les choses. Tout ce qu'on a enterré qui te représente, qu'on a dit qu'on a enterré ta destinée, par cette parole qui sort de ma bouche aujourd'hui, je déclare que tu te lèves. Je déclare que tu te lèves. Je déclare que tu te lèves. Je ressuscite tes activités. Je ressuscite ton mariage. Je ressuscite ton business. Je ressuscite ton boulot. Je ressuscite ta promotion. Le patron t'appelle dans son bureau. Voilà, le mois prochain, c'est toi qui vas prendre cette position. Tu ne sais pas que le diable lui-même a entendu. Tu me guettes là-bas, pourquoi? C'est quoi? Viens ici, là. Tu veux quoi? On ne guette pas, on regarde bien. On ne guette pas. Il ne faut pas faire comme si tu volais. On ne vole rien à cette maison. Voilà. Tout trou dans lequel on t'a déposé, jusqu'on a dit que, oh, c'est fini pour elle. Avant, tu conduisais la voiture, maintenant tu es piéton. Reçois ta voiture à nouveau. Tu avais les gros contrats. Maintenant, te voilà. Tu te faufiles seulement comme ça, tu entres chez toi la nuit pour qu'on ne te voie pas. Je te soulève de l'endroit où on t'a laissé pour morte. Quand le Samaritain a trouvé le jeune homme qu'il a pris pour emmener à l'hôpital, à l'auberge, pardon. On l'avait laissé là-bas, on dit que c'est fini pour lui. Toute personne qui était en relation avec toi, il t'a pris. Il a dit que, ah, je laisse Anel Kala comme ça, c'est fini pour elle. Je laisse Beka comme ça, c'est fini pour elle. Ils seront surpris. Tu me suis. Il y a l'onction de résurrection sur toi aujourd'hui. Je ressuscite tes activités. Depuis le début de la semaine, tu n'as pas vendu, non. Aujourd'hui, là, tu vas vendre. Écris cela, je vais vendre aujourd'hui. Je détache tes pieds, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu te balades. Tu marches. Même tes pouces, je détache tes pouces pour que tu écrives à tes clients. Toute mauvaise décision que tu allais prendre, qui allait te faire perdre de l'argent, je déclare que tu reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Je commande maintenant à tes activités de reprendre. Avant, tu avais des contrats. Tu vas à les terrains comme ça, la PAM, dès que l'acheteur paye l'argent, cash, on sort l'argent, cash, on te donne. Depuis 6 mois, tu n'as même pas vu 1 million. Il y a le sel maison hanté, là, ceux qui ont ça chez eux, le sel maison hanté. Prenez ça, vous versez à la maison aujourd'hui. Prenez le sel maison hanté, vous versez à la maison. Si tu as un terrain que tu veux vendre, tu peux verser ça sur le terrain là, tu parles. C'est à n'importe quel mauvais esprit ici. C'est la reine aussi qui a dit, je déclare qu'elle veut vendre le terrain ici. Voilà. C'est à l'argent qu'on t'a promis que tu attends depuis. Ça tourne depuis, ça tourne. Je libère cet argent pour que ça vienne à toi.
J'appelle ton agent aujourd'hui. Écrivez, agent vient. Agent vient. J'ai dit qu'il va acheter un chien, je vais l'appeler argent. Quand il parle, il dit qu'un cap sort, il va venir. Agent vient ici. On s'est trop moqué de vous dans votre famille. Tu étais premier de ta promotion, major de ta promotion. Oh, l'enfant, si on voit, tu as un bon futur. Depuis 3 ans que tu as fini, tu ne trouves pas le boulot. Reçois ton boulot aujourd'hui comme tu m'écoutes. Je te ressuscite de toute tombe dans laquelle tu as mis. Que vous, les enfants de ta mère, tu sais, les enfants de ma mère, mon frère, regarde ma soeur, regarde, voilà, ils sont là, ils ne font rien. Ton frère est même parti en Europe depuis, même vous envoyez deux, même seulement 20 euros depuis, il ne peut pas envoyer à quelqu'un. La malédiction de ta famille, là, j'enlève ça de toi. Il est 10 heures, tu étais à décourager, non? Pas là où tu avais prévu partir le matin, là. Pas là-bas, tu parles, appelle-les, ils te donnent l'argent. Voilà. Quand les clients entrent, ah, je t'attendais, bonjour. La reine aussi a dit que tu as l'argent à me donner aujourd'hui. Hakabum, hakabum. Donne-moi l'argent. Il sort l'argent, tchac, 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 il dépose sur la table. Il dit merci. Je vous libère des malédictions familiales. Tout en dos, tu pars, dès que tu prononces ton nom comme ça, là, bam. Tu sais que tu vas avoir ton patron comme ça, là, ou un client. Il a eu un problème avec quelqu'un qui s'appelle Photo, et tu t'appelles Photo. Tu viens pour chercher le boulot. Dès que tu t'appelles Photo, tu dis que hey, je ne peux pas te prendre. Tout malheur qui est accroché ou associé à ton nom, je t'en libère aujourd'hui. Tout endroit où on te parle mal, on te fait des trucs mauvais, à cause du fait que tu portes le nom que tu portes, je déclare que c'est maintenant ton nom qui est une bénédiction. Au nom de Jésus. Écoutez, je relance tout ce que tu as prévu de faire avant midi. Lève-toi, tu ne peux pas faire. Lève-toi, tu ne peux pas faire. Voilà. Je t'enlève le sommeil. J'enlève le sommeil sur toi. La fatigue, j'enlève. J'enlève. Bouge-toi, bouge-toi. Et comme tu bouges, ton agent vient. Parce que l'agent est timide. Hein? L'agent est timide. Tu vois un peu comme si tu es sur une plage. Ça fait 5 ans que tu n'as pas vu ton amoureux. Hein? Tu le vois à l'horizon là-bas. Et que tu vas t'asseoir, tu vas l'attendre. Tu commences à courir, il court. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Tu cours, il court. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Maintenant, cours vers ton agent. Comme tu cours comme ça, il va commencer à courir, vous allez vous retrouver au milieu. Voilà. Recevez, recevez. Je libère ce qui était bloqué. Le matin, on t'a dit oui, viens prendre à 6 heures. 10 heures, on te dit que, oh, désolé, on ne donne plus. Hein. J'ouvre maintenant encore, on va encore t'appeler pour te donner. On t'appelle maintenant pour te donner. Recevez. Je vous bénis. Je vous bénis. Et le cas que la journée, si tu vas pointer comme tu n'as jamais pointé. Ceux qui ont les magasins, là, prenez le kit commerce. Et aussi, pour certains besoins, il faut vous prendre le kit fondation. Tu prends d'abord fondation, après tu prends commerce. Voilà. Fais ton travail, tu parles, tu arrêtes ton bâton de commandement, tu mets dans ton sac le matin en sortant. Tu parles. Tu paies ta dîme, tu parles sur ça. Et comme je sème la dîme, c'est comme ça, là, ça me revient multiplié par 100. Je libère vos visas. Voilà. Visa pour le Canada. Je recevais vos visas au nom de Jésus. Ce ne sera plus le rêve. Tu vois, le froid va te toucher là-bas bien, même ne te dérange pas. C'est toi qui as choisi. Moi, je suis dans la chaleur ici, là. Recevez vos visas. Tout dossier, tout ce qui manque à ton dossier. Je déclare qu'on te refuse pas le visa à cause de ça. L'autre jour, je vous ai raconté, non. La personne qui décide de ton visa, là, il va prendre ton dossier quand sa femme va l'appeler que B, ce soir, on va manger le chocolat. Hein. B, je t'attends, je suis même derrière. Hey, ta nourriture préférée. Dès qu'il vient voir mes salaires, il touche ton dossier. Il dit que donnez seulement le visa à la fille. Donnez-lui le visa. Recevez la faveur de Joseph. La faveur qui fait que partout où tu vas, on dit que pour les autres c'est 5 ans. Pour toi tu fais ça en 5 jours. Voilà. Doris va retrouver ton mari en Europe. Reçois ton visa. S'il avait les papiers qu'il ne pouvait pas faire depuis, je déclare qu'il trouve le moyen de faire ça cette année. Au nom de Jésus. Recevez vos visas. Le visa avait la faveur. Et les beaux-arts là, je déclare que tu traverses aujourd'hui. Tu traverses. Voilà. On te prend dans le bateau aujourd'hui au nom de Jésus. Et je te protège. Les anges te protègent. Avant de traverser, il faut acheter le jus. Tu prends le jus, le Fanta. Tu verses ça dans l'eau. Tout le Fanta là, tu parles. Avant de t'entrer dans le bateau là pour partir. Voilà. Utilisez les forces dont vous avez besoin. Vous avez les forces à votre disposition, mais vous ne savez pas les utiliser. C'est pour ça que vous souffrez. Tu es dans un pays, tu fais 5 ans. Les choses ne marchent pas.
Est-ce que les gens du pays là te connaissent? On parle de libation. Prends-tu pas verset, tu parles à la terre, tu ne parles pas. Tu arrives dans un endroit, demande, est-ce qu'il y a la rivière ici? S'il n'y a pas, tu verses sur la terre de ta cour. Oui. S'il y a les pavés même, tu peux verser entre les pavés, tu laisses ça entre la terre. C'est quoi votre problème? Recevez vos nationalités. Recevez. Allez le écrire encore. Bonjour. Vous n'avez pas encore fini mon dossier? Dites-le dans la lettre que la reine a dit que vous avez fini. C'est pas encore fini. Que la reine Jocelyne a dit que mon passeport là il est après. Ils vont demander que la reine Jocelyne c'est qui? Une dame m'écrit, elle me dit que sa fille arrive à l'école. On dit que citez les reines que vous connaissez. Elle dit la reine Jocelyne, que c'est la soeur de ma mère. Écoutez, recevez. On va parler de vous dans les pièces où vous n'avez même pas été avant. Donc je suis en train de faire les lavages. Ceux-là qui ont envoyé les lavages des examens là pour les examens de vos enfants. Je suis en train de les faire. Voilà. Donc le premier, il y a lavage à Douala. Donc vous venez physiquement. Venez maximum à 10 heures. Maximum 10 heures le premier. Voilà. Je vous bénis. Je bénis votre travail. Ok? Le travail spirituel que tu as commencé là, tu ne vas pas abandonner. Oh you are. Hmm? Tu vas redoubler d'efforts. Tu vas redoubler d'efforts. Toute personne que la nuit, tu dors pendant qu'il n'est pas en train de dormir. Hein? Il est sur toi. Il ne va pas avancer, il ne va pas avancer. On leur, souvent, il part chez la marabout, on donne les choses qu'ils doivent souffler qu'à minuit. Pendant que tu dors, la personne c'est dans sa maison en train de souffler. Toute incantation, toute flèche de nuit qu'on a lancée sur vous, je retourne à l'envoyer par cette chemin. Il t'envoie une flèche. Sept vont le trouver dans son lit, cette nuit. Au nom de Jésus. Le lavage des enfants, c'est 20 000. Pour les adultes, c'est 33 000. Voilà. Si tu es en Europe, c'est 56 euros. Ceux qui ont payé pour la consultation, je vais vous consulter cet après-midi. Voilà. Écrivez-moi si vous avez payé, je ne vous ai pas encore consulté. Vous savez que je suis très occupée, donc j'oublie certaines choses. Je vous fortifie. Il y a une ici là que tu avais abandonné ton travail, tu t'es découragé. Voilà. Et pour le premier, je ferai les lavages à distance et en présentiel. À Douala, ce sera en présentiel. À distance aussi. Donc si vous êtes à Douala, vous venez. Même si vous n'avez pas l'argent pour le lavage, vous venez. Vous allez faire la cérémonie avec nous. On va faire d'abord la cérémonie et après ceux qui vont se laver vont rester. Voilà. Je vous bénis. Christelle, donc je suis en train de prier depuis là, on s'en a, tu ne reçois pas. Hein? Je souffre. Tu souffres de quoi? Toutes les bénédictions que tu as données, tu n'as pas suivi ça. Même Amen, tu n'as pas dit. Maintenant, tu dis que je souffre de l'abandon de. Recevez la force dans votre esprit. Quand le Seigneur arrive, il disait tout que la paix soit avec vous. Je mets la paix dans votre esprit. J'augmente vos finances. Je chasse la douleur. Vous avez perdu quelqu'un. Je chasse la douleur de ces obsèques-là. Je chasse ça de votre cœur. Amen. Voilà. Moi-même, je dis Amen. Si vous voulez, il ne faut pas dire. Ne dites pas quand il va dire moi-même. Parce que ça me plaît, moi. Je bénis votre travail. N'abandonne pas ton travail, ma chérie. N'abandonne pas ton travail. Tu es en train de percer déjà. Ça va te donner, ma chérie. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Rakris kabos kotoroboshi katarakase. Le crosso kotorobosha. Tu n'abandonnes pas au nom de Jésus. Tu n'abandonnes pas. Tu te relèves. Prie dans ton magasin là où tu es là. Tu prends les encens. Tu boules dans ton magasin. Tu parles. Tu parles à tes produits. Je dis que je vais vous vendre. Voilà. Même ton patron va te donner les bonus. Je te remets l'énergie. Je te remets l'énergie pour que tu parles au client. On dit, mais la fille là, elle parle bien. Hein. Il y a une personne dans ton magasin là-bas, elle fait très bien les choses. Je mets la faveur sur toi. Partout où Joseph partait, il faisait tellement bien qu'il avait toujours la faveur. Que cette faveur soit la vôtre aujourd'hui. Une m'a écrit hier, elle me dit que à son boulot, on va lui donner 1 000 $ de prime le mois prochain. Pour bonne compétence ou bonne performance. Recevez les primes de travail au nom de Jésus. Recevez. Voilà. Et vous payez vos dîmes, bien sûr. Et vous bénis. Imagine, on te donne 1 000 euros de prime. C'est beaucoup, hein? 1 000 euros. À Kakorba. Recevez vos primes. Et vous bénis. Je vous bénis. Voilà. Faites votre lavage. Mettez le sel dans votre eau cet après-midi-là.
Fais-moi le lavage cet après-midi avant de sortir. Comme tu m'écoutes là, lave-toi encore. Tu laves le matin, lave-toi encore avant de sortir. Lave-toi encore avant de sortir. Christelle, Lord, tu n'es pas ici là pour te plaindre. Tu as compris, non? Voilà. Je te fortifie, j'enlève les mauvaises pensées dans ta tête. Je veux que tu te rappelles de qui tu es. Tu n'es pas une femme faible. Relevez-vous. 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 Tu t'es lavé le matin, lave-toi encore à midi avant de sortir. Tu as compris? Tu mets l'huile faveur là sur ton visage. Tu vas pour moi te donner l'argent. Mais madame, vous êtes jolie, hein? Je dis merci. Oui. Je suis la fille de la reine Jocelyne. C'est pour ça que je suis belle. On n'est pas l'aide chez nous, pardon. Voilà. Bye bye. Bonne journée. Je vous bénis. Je purifie vos pensées. Je purifie votre énergie. Quand vous m'écoutez, comme ce message arrive dans vos oreilles, vous êtes libérés de tout esprit de faiblesse. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Voilà. Que la joie soit avec vous. Ne soyez pas triste aujourd'hui. On t'énerve, tu bavardes, mais après tu as la joie. Ok? Mm-hmm. Recevez vos femmes et vos maris spirituels. Retrouvez les renoms de Jésus. Que vous puissiez vous élever ensemble. Pour les reines, recevez votre roi. Pour les rois, recevez vos reines. Tu vas sur Google, tu écris que pleine lune, c'est quand. Hé, hey, Lou, tu es là-bas, Ndiaye. Tu es dans le Sénégalais. On est à Makepe à Douala. Makepe, venez acheter vos produits. Je suis là aujourd'hui. Si vous demandez à me voir, c'est seulement pour me dire bonjour. C'est même pas pour vous asseoir, pour me raconter votre vie. Voilà. Bye bye. Souriez, souriez. Le matin, vous allez sourire, souriez. Depuis qu'on a arrangé ma dent, là, j'aime sourire jusqu'à. Fais comme ça, là. Machum. Ça, c'est le nom de ma mère. Ma mère s'appelait, ma grand-mère s'appelait Machum. Bye bye.